Il y a quelques années, j'ai fait un régime. Mais comme je suis gourmand, j'aimais bien manger de temps en temps des choses à base de mayonnaise. Mais pour éviter d'avoir trop de calories, eh bien, je l'ai fait light. Alors, évidemment, on peut faire une mayonnaise avec encore moins de calories, mais qui ne ressemble pas à une mayonnaise. Celle-là, un vrai truc, c'est qu'elle ressemble vraiment à une mayonnaise. Comment est partie mon idée? Mon idée, c'est de me dire c'est quoi les ingrédients d'une mayonnaise traditionnelle. Un quart de litre d'huile, un jaune d'œuf, une grosse cuillère de moutarde, du vinaigre, du sel et du poivre. Ça, c'est la recette dite traditionnelle. La recette sans huile, c'est la même chose, sauf qu'on va remplacer l'huile par quelque chose qui a une texture huileuse. Vous avez trouvé ou pas? Eh bien, cette texture huileuse, on va la faire avec un bouillon de légumes.